Cher journal de bord, oh là là, je suis le colonel French Prince et j'en ai des choses à dire. Tout d'abord, j'ai fait face à des bandits. Les bandits. Les bandits, c'est mieux quand on le dit comme ça, les bandits. Les bandits, ils sont très hostiles, très violents. Mais heureusement, j'ai une maîtrise en castagne. Et oui, Johnny Cadillac, toi-même, tu connais les bails. Donc, he points a nage, you pick an amakatutu, c'est une technique japonaise que j'ai aussi appliquée sur ces hommes fleurs. Qui n'avait concrètement rien demandé, hein, mais j'étais dans une dynamique de meurtre, donc voilà, il faut pas me chercher. Des noises, expression des années 40. Je suis ensuite tombé sur un village glitch. Donc on menace, c'est-à-dire qu'on vous tue pas en. Pas d'hostilité. Enfin, si, une hostilité cachée, c'est-à-dire qu'on vous menace, donc bon. Réaction en chaîne, je tue des personnes normales. Au même titre que ce vaisseau pirate où on me dit pas grand-chose là, mais bon. Voilà, j'ai pillé et puis j'ai fini par tuer les gens parce que. Alors là, c'est pas dans la dynamique de meurtre, c'était plus parce que je suis un connard. Donc j'ai tué les personnes. Après, c'est des pirates, voilà, ils sont pas non plus très tendres hein, à la base. Donc bon, désolé. Ensuite, un singe coincé dans un cocon entre deux coffres. Très bizarre. Hein. Peut-être pas aussi bizarre que cet endroit qui est un biome souterrain. Avec un crapaud, oui, ou une grenouille, mais je dirais plus un crapaud, qui me vendait des choses plus ou moins intéressantes. Voilà, que. Bon, ça ne m'intéressait pas plus que ça. J'ai essayé de tuer la personne, mais la personne résiste. Enfin, la personne ne peut pas être tuée, en fait, tout simplement. Donc voilà, fait assez intéressant. Heureusement, j'ai pu récupérer cette magnifique statue de cuivre en forme de crapaud. Hein, toujours, on reste dans la dynamique du crapaud. J'aime bien le mot dynamique aujourd'hui. Ensuite, des champs d'astéroïdes. Un champ d'astéroïdes, des champs, je ne sais plus. Avec un labo abandonné, pas très intéressant. Moins intéressant en tout cas que cette pluie d'étoiles filantes que je devais vous montrer parce que c'est magnifique. Et aussi, un endroit très 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 beau, ce biome sur une planète toundra. C'est un biome ice, il me semble. Et c'est super beau, voilà. Voilà, là, je devais vous le montrer, je trouve ça très très beau. Voilà, un village d'hommes fleurs. Enfin, je sais pas, ce décor paradisiaque. Beaucoup moins paradisiaque que ce que j'appellerais l'enfer. C'est un petit ça, en fait, c'est le centre du monde. C'est-à-dire que quand vous descendez au plus profond dans une planète, vous tombez là-dessus. Voilà. Et c'est ainsi que je conclue cette introduction. Merci de m'avoir écouté, journal, et plein de bisous. Et vive la France! C'est génial. Salut, ça va? Bienvenue sur l'épisode 8 de Starbound. Ici le colonel French Prince, bien entendu. Aujourd'hui, tais-toi, on va construire. Oui, je marre tout seul, c'est génial, la vie est belle, comme dirait Panda Sunshine. On se retrouve donc aujourd'hui pour construire. Construire, hein, je sais pas trop comment appeler ça. Ça sera un genre de dépendance. On dit une dépendance, du coup. Une dépendance à côté de ma maison. Dans lesquels je vais mettre des. Ils sont où? Des spawners tels que des docteurs spawners, des wizards spawners, des chefs spawners et des tools spawners. En fait, pas les docteurs spawners. Pourquoi les docteurs spawners? Non. Parce que, comme vous pouvez le constater, Katarina est décédée. J'ai fait la connerie de. Alors, déjà, j'espère que vous allez bien. Voilà, avant de dire ça à 10 minutes d'épisode. Oui, donc Katarina est décédée. J'ai malheureusement testé une arme en sa présence. C'était un. Un pistolet qui faisait des billes bleues. Enfin, voilà, par exemple, si j'avais fait ça et qu'elle serait, elle s'était pris la fumée rouge, elle serait morte. Donc en clair, jamais tester d'armes dans son vaisseau quand une personne est présente. Donc voilà, rest in peace, Katarina. Et donc du coup, les docteurs spawners, il va falloir que je réessaye d'en faire spawner dans mon vaisseau. J'ai déjà essayé deux autres spawners et c'était des glitches. Donc les glitches sont moches, donc je les ai tués parce que je veux pas des gens moches dans mon vaisseau. Excusez-moi, c'est pas très gentil, mais quand même, faut pas déconner. Donc en fin d'épisode, on verra si on aura un peu de chance. Et sinon, donc, on va avoir un genre de, une pièce un petit peu mystérieuse où on va faire spawner un wizard, une cuisine où il y aura des cuisiniers, ce qui est plutôt logique. Et un, comment dire, un atelier où on va mettre des tools spawners. Alors c'est plus RP parce que niveau outils, j'ai ce qu'il faut. Les chefs spawners, c'est plutôt pratique pour la bouffe, donc ça, c'est aussi utile. Et le wizard spawner aussi, ils vendent à peu près la même chose que les docteurs spawners, c'est-à-dire des steam
Des steam packs, vous savez, les trucs avec lesquels je me. Les seringues, quoi. On est des drogués dans Starbound. Donc, ça, c'est le jumbo, ça, c'est la speed. Et ça, c'est que vous brillez, c'est-à-dire que ça crée un peu de lumière. Et les steam packs rouges, j'en ai plus du tout. C'est pour la santé. Et ce qui est bien avec les Wizard Spawners, c'est qu'ils vous vendent ça moins cher que les Docteurs Spawners. Donc, les Docteurs Spawners, j'en aurai toujours un dans mon vaisseau au cas où. De toute façon, maintenant je commence à être blindé, donc c'est pas trop grave. Mais voilà. Donc ça va être ça la construction. Avant cela, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans mon vaisseau? Alors depuis la dernière fois, j'ai fait un lit en Imperium. Parce que voilà, il faut quand même. Comme je vous l'ai dit, je suis blindé. Donc voilà, l'Imperium qui est donc ce métal. Donc le métal le plus fort du jeu. Pour le moment, c'est une bêta. D'ailleurs, en parlant de ça, je commence de plus en plus à suivre l'actualité de l'équipe de Starbound et ce jeu va vraiment être encore mieux que ce qu'il n'est. C'est n'importe quoi. Mon stuff sur moi, alors j'ai cette arme qui est donc Highball Calamity. Donc la calamité. Voilà, avec un œil, je sais pas trop. Et ça fait ça, c'est très rigolo. Cette arme, je sais pas si. Si elle est nouvelle ou pas, je ne sais plus. Ça, c'est non, Timmy. J'ai toujours eu Timmy. Les nanobandages. Alors, ça, c'est un nouveau craft que j'ai eu. Je sais plus trop comment je l'ai débloqué. Mais en gros, c'est ce genre de nouveau truc. Alors, ça, avant, je pouvais pas le faire. C'est de nouveaux blocs que je peux faire. Ça, c'est un espèce de Lego. Et il y a donc, entre autres, les nanowrap bandages qui apparemment soignent plus vite que les bandages traditionnels. Donc, pourquoi pas. Ils coûtent un peu cher, mais bon, c'est pas trop grave. Et le nanostaff qui est un four. Un peu futuriste que j'ai mis là, voilà. Ensuite, j'ai de nouveaux instruments, comme vous avez pu entendre en début d'épisode, c'est génial. Et aussi beaucoup, beaucoup, mais alors beaucoup de nouveaux vêtements. C'est très important le look dans Starbound. Alors, entre autres, ce Rainbow Hood, magnifique. Ce tutu, que je ne porterai, je pense, jamais. Cette boîte en carton, ces pilot goggles. Ça, pas trop. Ça! Trop fabulous, mais bon, je pense que le truc qui étincelle tout le temps, ça pourrait vite me saouler. Donc je vais pas la porter, mais peut-être un jour, je sais pas. L'occasion. Okay, quoi d'autre, quoi d'autre? J'ai le chapeau de Link. J'ai ça que je préfère, tiens. Ouais, c'est mieux. J'ai ce chapeau de chef, j'ai ces chapeaux d'ours. Magnifique. J'ai ça, c'est pas très. J'ai ça. J'ai cette tête de cheval, magnifique, magnifique tête de cheval. Enfin voilà, que du style, que du swag, que de voilà. J'ai fait un peu le tri là-dedans. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai des nouvelles armes qui sont aussi assez badass. Mais c'est cette arme qui a tué Katarina d'ailleurs. Rest in peace. J'ai plein de trucs quoi. Enfin voilà. Oui, maintenant je mets mes minerais ici dans un coffre plutôt que là. Enfin voilà, des détails. Alors ça, je vous montrerai l'épisode prochain ou dans l'épisode. Alors qu'est-ce que c'est? C'est juste de l'argent compressé. Ça, je vous l'expliquerai entre autres dans l'épisode 9 du coup, où je ferai un petit peu un inventaire de toutes les choses dans Starbound que j'ai pas vraiment précisé, c'est-à-dire que si vous connaissez pas trop le jeu, moi aussi je le découvre pas mal. D'ailleurs, j'ai un truc pour la construction que je vais vous montrer tout à l'heure qui est assez intéressant, qui est même primordial. Donc voilà, l'épisode prochain sera un peu un épisode inventaire, peut-être un peu d'exploration, enfin bref, voilà, le type tease déjà l'épisode d'après. Donc tout de suite, je vous retrouve sur ma planète. Et on va construire. Donc à tout de suite. Alors, on se retrouve chez moi après de mes plantations. J'ai du blé, j'ai des choses, j'ai du riz, je crois, j'ai des tomates. J'ai des ananas. Des ananas, des ananas, des ananas. Ma maison a un petit peu changé. J'ai refait la cuisine qui est un peu plus grande. Alors, peut-être que je changerai encore. Hein, cette maison est en totale évolution. Constante évolution plutôt. C'est ce mot que je voulais dire au début. Voilà, après, pas grand-chose n'a changé, hein, voilà. Si, j'ai réduit un petit peu l'escalier. Voilà, des trucs un peu bas. Là aussi, j'ai changé un peu la déco. Ben, ça, c'est le fameux pixel compresseur. Je vous expliquerai les tenants et les aboutissants dans l'épisode 9, du coup, le prochain épisode. La wiring station, je vous en parlerai aussi, enfin, plein de trucs. Donc, voilà, et aussi, j'ai pas mal terraformé à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'avant. À partir de là, je crois, ça commençait à monter. Ça faisait une grande colline. J'ai tout pété. J'ai vraiment tout pété. Là, on est dans un nouveau biome un peu volcanique du coup. Et c'est ici qu'on va construire une autre petite dépendance. Hop. Et ça va me permettre de vous montrer un truc.
Je me plaignais, je sais plus dans quel épisode, dans les premiers je pense, du fait qu'on pouvait placer que 4 blocs d'un coup. Ouais, comme ça. Et pareil pour la détruire les. Pour détruire en fait, avec la drill ou une pioche. Eh bien, vu que je suis un gros débile, j'ai découvert, bêtement, qu'en appuyant sur la touche majuscule, pas verrouillé majuscule, hein, mais majuscule, hop, eh bien on pouvait poser qu'un bloc. Ou de cibler qu'un seul bloc. Donc voilà, il fallait que je le partage avec vous, ça me paraissait assez important. De vous montrer à quel point je suis un peu couillon, mais en même temps, voilà, je découvre encore ce jeu. Donc quand vous appuyez sur majuscule, ça fait ça. C'est génial, donc on va tout de suite commencer la construction qui sera à peu près dans le même style, hein. On va garder les couleurs noires et blanches comme ça, que j'aime beaucoup. Donc on va faire un premier étage où je pense qu'on va mettre. Je sais pas trop en fait, j'hésite entre la cuisine. Ben non, on va mettre la cuisine, c'est sûr, vous allez voir. Vous allez. Ah, quoique, je ne sais pas. Je ne sais plus, mon Dieu. Ouais, on verra. Enfin bref, on va d'abord construire. On va d'abord. On va d'abord construire. Mais la base, hein. Donc, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Je sais à peu près ce que je veux faire. Hein. Je suis pas non plus ultra sûr à 100% de tout ce que je fais. Mais j'ai une idée approximative du bordel. Hop, donc là c'est clic droit hein, pour me mettre en arrière-plan. Ça vous pouvez passer devant, c'est génial. Hop. Hop, comme ça. Voilà. Donc là on est au niveau de l'entrée, hein, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc une porte, ça fait 5 de haut. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, ça va être là. 3, 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. C'est ça. Là, on va mettre un genre de support. Voilà, ça sert pas à grand-chose, mais c'est pour éviter d'avoir un coin un peu dégueulasse. Et ensuite, on va faire toute la longueur du bâtiment. Alors là, par contre, il faut que je compte. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est passionnant, 11, 12, 13, 14, 15, ou 16, 17, 18. Là, on va changer parce que vous allez voir plus tard. Non, sélectionneur, merci. Donc c'est 3 de large, 1, 2, 3, il me semble, oui c'est ça. Et ensuite, là j'étais à combien? Je ne sais plus. Oh mon Dieu! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Donc pareil. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà, c'est génial, la vie est belle. Oh mon Dieu. Pff, la tristesse. Donc voilà, on place ça au milieu et on va tout de suite s'attaquer à un genre de cheminée. Eh oui, eh oui. Oui, c'est génial. Donc là, on va placer de la terre en arrière-plan. On va éviter que ça soit visible. Bon. Ok, d'accord, tu ne veux pas m'aider. On va tout simplement partir sur un autre délire. Non, reviens ici. Voilà, comme ceci. Et on va faire une cheminée. Hop, comme ceci. On va tout simplement monter. Bon, jusqu'où, je ne sais pas. Hein. C'est-à-dire qu'après, le toit, c'est pas vraiment ce qui importe, vu que le toit va venir ici, et hop, là, on aura une espèce de grenier, voilà, où on va mettre des lits, ça va être l'endroit où les gens dormiront. Parce qu'il va y avoir des gens ici, mon Dieu, c'est énorme. En fond, là, on va faire ça. Ça. Et on va faire venir aussi ici, comme ça. Voilà, c'est passionnant. Alors, une fois qu'on a reproduit ça là-bas et qu'on a fait un genre de future porte, on fait l'étage. Alors, l'étage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bloquer d'abord la cheminée. Hein, quand même, on va pas étouffer nos futurs habitants avec. Casse-le! Vas-y. Avec des vapeurs toxiques, j'ai envie de dire. Et on va tout de suite mettre le toit, car oui, hein, ça sera que genre un rez-de-chaussée, un petit grenier. Enfin, un petit grenier. Ouais, c'est pas vraiment un grenier du coup. Enfin, vous m'avez compris. Donc on va faire. D'abord, on va faire ça. Thank you.
Voilà, une fois que vous avez fini tout ça et que vous avez reproduit la chose de l'autre côté, j'ai l'impression que c'est un tutoriel, mais en fait, c'est pas du tout ça. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va. Comment je vais faire du coup? Rire dégueulasse. J'aime pas trop ce qui se passe. Ouais. Est-ce qu'on peut éventuellement faire, c'est ça? Ouais. Ouais, j'aime pas ce que je fais. Ouais. Pourquoi pas en disant, en imaginant que ça sorte de je ne sais quelle manière. Ouais, pourquoi pas? C'est moche, mais pour le moment, on va garder ça. Hein. De toute façon, j'ai pas trop d'idées, donc on va garder ça. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va caler des poutres. Bon, des poutres assez, assez fines. Hein, des types on est sur de la finesse. Hein, qui vont monter jusque-là. Alors, du coup, c'est pas très crédible. Une poutre de 1 d'épaisseur. Je ne sais pas. Ouais, c'est pas très crédible. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Ouais, c'est ce qu'on va faire ça. Hein. C'est qu'on va casser ici. On va faire des poutres de 2 d'épaisseur, hein, tant pis. Voilà, une fois que ça s'est fait. Ok, donc toi tu vas me saouler. En plus, j'ai pas d'arme sur moi. Ah, si, j'ai une arme sur moi. Meurs. Me donne pas de pixels, enfoiré. Donc, une fois que c'est fait, pour éviter de perdre de la place ici, sachant que j'ai une gravité assez cool, on va juste mettre une plateforme. On fera ça pour monter à l'étage. Hein. Je sais, c'est pas ultra crédible, je pourrais faire un escalier en colimaçon ou quelque chose, mais bon. J'ai pas. Enfin, je préfère garder l'espace en bas, hein. Concrètement, là, ça sera des chambres et du rangement. Un peu RP, hein, parce que voilà. C'est pas nécessaire. Mais voilà. Donc, ça, c'est fait. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va ranger ça et ça, parce qu'on n'en a plus besoin. Ça non plus. Et on va prendre ça. Ça. Et ça. Et on va placer donc le mur du fond avec des fenêtres qui seront assez petites, fines, je sais pas trop comment dire. Enfin, bref. Donc d'abord ce que je vais faire c'est que je vais tout tapisser juste le rez-de-chaussée de painted brick et je vous retrouve après pour mettre les fenêtres. Voilà, donc j'ai préparé un petit peu l'espace nécessaire. Donc ensuite pour les fenêtres, toujours en arrière-plan, je prends moi de la Moon Rock, donc la pierre de lune, car oui, je parle américain encore une fois, que je place comme ceci. Voilà. Et ensuite des vitres, tout simplement. Voilà. Rien de plus complexe. De plus simple. Pff. Le type se contredit, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le gars. Donc voilà, on reste dans l'état d'esprit assez. Ah oui, il faut que je refasse le sol aussi. Alors le sol commence à partir de là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ce sol, que je vais mettre celui-ci. Donc c'est quoi? C'est du truc de pont, je crois. Wooden bridge block. Posey. Voilà. Et après, je vous retrouve pour ça au-dessus. Et après, on creusera aussi pour faire la suite en bas. C'est génial. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le mur. Alors le mur, je sais pas trop comment le faire ici. On va partir sur quelque chose. On va tenter des choses, hein. Je vous le dis tout de suite, hein, parce que je suis un gars qui tente des choses dans la vie. On va faire des mini-poutres. De la sorte, c'est raté. Hop, hop, merci. Là, c'est moche. J'aime beaucoup dire faire ça. C'est moche ce que je fais. J'aime pas du tout. Je sais pas trop ce que je suis en train de faire en fait. Donc ouais, à partir de là, il va y avoir un genre de fenêtre. Voilà, des blinds. De la sorte. Coller au mur, je sais pas trop. Ouais, allez, pourquoi pas. Allez. Comme ça, et après, je pense qu'on peut tout remplir comme ça. Ouais, c'est pas trop mal.
Ouais, je sais pas, je suis pas trop sûr. On verra à l'avenir, hein. Je changerai sûrement des choses. Hein. Pour le moment, c'est vraiment pour vous. Ouais, voilà, je sais pas. Je sais pas trop. Voilà. Donc j'ai répété ça de l'autre côté. Voilà, donc j'ai fait la même chose de l'autre côté. Et j'ai aussi creusé, mon Dieu. J'ai creusé. Le futur espace pour le Wizard. Donc, faut pas déconner, lui aussi, il aura son endroit. Lui, bon, il est tout seul, mais il a la plus grosse pièce. Je sais pourquoi, voilà. Je me suis dit. Faut qu'il kiffe, le gars. Pour ce qui est du sol, on va plutôt mettre ça, je pense. Ouais, ça paraît pas mal. Voilà, donc on va lui faire un sol en pierre. Non. En heavy stone brick. Donc de la pierre lourde, t'as vu? La pierre qui pèse dans le rap game. Pour le mur, j'allais mettre de la pierre, mais ça sera peut-être un petit peu trop répétitif. Pourquoi on partirait pas sur de la soft brick? Non, ça serait moche du coup. Ça orange, ça orange. De la moonrock, tiens. Non, pas en fond. Voilà. Comme ceci. Très facile à casser. C'est très génial. C'est très le pratique. C'est très génial. Et pour ce qui est du mur du fond, on va partir sur quelque chose d'assez simple. Donc on va répéter à peu près la même chose ici. Enfin, la même chose qu'ici pour ce qui est du support de ce qui est supposé être le plafond, pour éviter que le plafond ce soit le plancher. Voilà, en gros, on essaye de doubler un petit peu le truc. On est RP, t'as vu. Et ensuite, par contre, je sais pas trop quoi faire si ce n'est mettre de la brique. Un peu comme celle-ci. Je sais, ça répète, c'est un petit peu répétitif avec ça, mais. Je sais pas trop, je sais pas. Et on pourrait partir sur des fenêtres dans ce genre. Je teste, hein. Ouais, j'aime bien. C'est un peu lumineux, mais pas trop non plus. C'est. Ouais, j'aime bien. On va partir là-dessus. C'est cool. Après, voilà, hein, tout est sujet à changer. Tout est sujet. Tout est. Enfin, tout peut changer, quoi. C'est pas. Voilà. Du coup, on voit un petit peu le décor, c'est génial. Donc voilà. Et ben, du coup, c'est fini. Enfin, pour ce qui est de la construction en soi. Donc, on va vite fait. Je vais meubler tout ça. Je vais pas le faire devant vous parce que j'ai déjà quand même pas mal avancé dans l'épisode. Et après, on essaiera de faire spawner les gens en espérant qu'ils ne s'aventurent pas trop loin de ma maison quand même pour pas qu'ils meurent. Ce serait con. Parce que je vais pas les bloquer non plus, mais enfin, vous comprenez. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais meubler. Je vous retrouve pour mettre les spawners. Et après, on pourra conclure l'épisode. Donc, à tout de suite. Donc, j'ai fini. J'ai un petit peu repartagé les pièces. Enfin, redistribué les pièces plutôt. Donc, le premier étage, ce sera toute la cuisine au final. Et en bas, ce sera et le wizard et les tool spawners. Donc, l'atelier, espace un peu chelou où il y a un wizard. Enfin, chelou. Royal plutôt, vous allez voir. Donc, ça nous donne. Ça donne ceci. Donc une petite pancarte qui indique que on peut manger. Donc voilà, hein, des chambres pour que nos personnes puissent dormir. Un espace cuisine mi-médiéval, mi-moderne. Voilà. Et en bas, un espace atelier pour les gars qui vont faire les outils. Et là, c'est le wizard, on va dire. Il a un espace un petit peu, un peu swag. Faut pas se mentir. Donc voilà, hein, c'est très simple. Hein, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite faire spawner ces gens. Enfin, tout de suite. Alors, par contre, il va falloir que je fasse de la place. Donc on va enlever cette chaise. On va mettre le spawner ici. On va enlever ça et on va mettre que un tool spawner. Hein. Pas besoin d'en mettre plusieurs en fait. Et les cuistots, peut-être qu'on va en mettre deux. Ouais, c'est pas mal deux. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on monte dans le vaisseau. Hop là, on pose ça pour le moment et on redescend. Et normalement, il y a de la vie, de l'animation, de la joie, de la bonne humeur. Oh oui, mon Dieu! Alors on a un apex, donc un singe et un je sais plus trop quoi, faudrait que je vérifie. Donc qui nous vend à manger.
C'est génial. Bottle ouais. Ah, je savais pas. Vous pouvez prendre de l'eau. Et un qui nous vend à peu près là. Ah, des choses. C'est différent. Ah non. C'est pas dans le même ordre en fait. Mais c'est cool, voilà. Fresh produce oublié. Un magicien donc qui nous vend des Steam Packs pas cher hein, parce que les Steam Packs. Oh, il y a un Wizard. Ah, c'est génial. Et toi, un Apex qui nous vend. Voilà, des outils. Bon, il est pas génial, mais voilà, il est là, ça donne de la vie. Bon, ça me fait un petit peu chuter les FPS, mais bon, c'est pas trop grave. J'espère qu'ils vont pas trop aller gambader à l'extérieur et éviter de se faire bouffer par des monstres. Ah, oh, je pourrais faire spawner des gardes. Oh, mais oui, je vais faire ça. Je pense qu'après, je vais construire un petit poste, une tour d'avant. Ah oui, mais je vais faire ça. Ah oh, ouais. Ah oh, ouais, c'est génial. C'est génial. Ah ouais, c'est cool. Ah ben, je vais faire ça après. Ben voilà, du coup, c'est fini, hein. J'espère que la construction vous aura plu. On va remonter dans le vaisseau. Voilà, retrouve des SP... des SPS. C'est génial. Voilà, faudra que je repose ça, j'ai oublié. Tout de suite, on va essayer les Dr. Spawner. Parce que, comme je vous l'avais dit, il faut que. Ok, donc t'es dégueulasse, donc tu meurs. Et la deuxième, ça donne quoi? J'ai vraiment, mais vraiment pas de chance. Je tombe que sur des dégueulasses. Bon, bah dans le prochain épisode, il faudra que j'aie des nouveaux Dr. Spawner. Hein. C'est pas grave. Donc on va se quitter en musique. J'espère que. Bon, alors l'épisode normalement risque d'être vachement dynamique. Enfin, coupé, entrecoupé. Il y aura beaucoup de coupures. C'est justement pour que ce soit rythmé. Enfin, j'essaye. Et donc la prochaine fois, on fera un épisode un peu inventaire où j'expliquerai quelque chose. J'essaierai de faire ça assez court et pas trop barbant parce que c'est pas l'intérêt du truc. Mais c'est pour vous apprendre des trucs sur Starbound, des trucs que vous connaissez peut-être pas. Si vous jouez au Sud, vous ne jouez pas. Et on va se quitter sur. Ouais. Sur ça. Moi pour ma part, je vous dis à la prochaine pour du Starbound, donc du Minecraft. J'ai un gros projet pour le serveur, mais comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, il est assez gros, donc ça prend du temps. Et sinon, BilaDL et Panda Sunshine, qui sont mes trois autres potes avec qui on fait cette chaîne, font aussi des vidéos. Je vous invite à aller les découvrir. Et voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée, de tout ce que vous voulez. Et à bientôt, bisous, c'est cool, vive Starbound, la France, tout.